Mais dans la rue, là, vous êtes vraiment extrêmement arrangé en mienne farmière, mais dans la rue, quand vous êtes habillé en tous les jours, on vous ressent, on vous reconnaît, pardon, ou pas? Alors, honnêtement, je ne suis pas autant maquillée tous les jours. Hein. Ouais. Des fois, j'ai ma pince dans les cheveux. Alors, je vous rassure, j'ai déjà vu Mylène Farmer une fois dans le 16e arrondissement. Ouais. Oui, c'était pas. Sans maquillage, sans tout. Oui, voilà, c'est Madame Tout le Monde. Hein. Elle avait son chien et un jogging. On n'était pas sur une. Naturelle, hein. Enfin, je veux dire, on est naturel, on vous prend pour elle ou jamais? Oui, enfin oui, ça m'arrive qu'on me dise, qu'on m'appelle, qu'on m'interpelle. Ah, Mylène, Mylène. Et vous dites quoi? Vous faites une photo comme si vous étiez Mylène ou pas du tout? Non, alors non, jamais. C'est vrai? Jamais je me prends pour elle. Ah, bah moi, quand on me dit Brad Pitt, je la fais. Ah, je m'en fous. Ça fait plaisir aux gens, ça fait plaisir aux gens. Généreux, Mathieu. Ça fait plaisir aux gens. Non, non, voilà, j'explique que c'est mon métier d'accord. D'imiter. On a le temps à chaque fois d'expliquer aux gens. Vous faites bien la différence, bien sûr. Vous l'avez déjà rencontré? Alors là, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Ça me fait plaisir, alors, merci Gérard. Non, mais c'est une question qui est intéressante et je comprends. Mais alors, non, je ne l'ai jamais rencontré. Ah, c'est parce dommage. Que déjà, je trouve que c'est une personne qui est tellement discrète que ça se respecte. On n'a pas envie d'aller chercher quelqu'un qui est aussi discrète et réservée. Et en plus, je n'ai pas grandi avec l'image de Mylène Farmer. Quoi. Moi, j'étais très fan de hard rock. J'étais guitariste dans un groupe de hard rock féminin quand j'avais 20 ans. Enfin, ce n'était pas mon univers. Est-ce qu'elle sait que vous existez? Alors, je pense que oui, parce que c'est quelqu'un qui surveille beaucoup son image. D'accord. Mais, un petit truc, non? Non, mais par contre, ben, je profite de cette occasion pour la remercier parce que je pense que grâce à elle et son personnage, j'ai eu une carrière pendant 20 ans, une carrière artistique extraordinaire qui m'a fait vivre des moments formidables comme être là aujourd'hui. Et qui n'est pas terminée, vu votre talent et votre beauté, qui n'est pas terminée. Oui, voilà. Et ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.